Bonjour et bienvenue. Hallo, herzlich willkommen zu diesem Live auf YouTube, Facebook und Instagram. Ja, es ist soweit. Ich bin da. Es ist 19 Uhr. Viele Leute haben schon auf YouTube Kommentare geschrieben. Ja, wann ist es? Vielleicht ist es schon ein bisschen spät. Nein, ich bin da. Es ist alles in Ordnung. Es ist 19 Uhr und wir können anfangen. Hallo Xavier, Frédéric, Maïla, Marie-Claire, Sylvie, Niepova, Jules, Fabienne, Sylvie. Habe ich zweimal gesagt, glaube ich, Sylvie. Und hier auch auf Instagram, Lucy, Rosine, Paulito, ganz viele Leute kommen hier. Sehr schön. Martin, Le Vent dans les Cornes, wer ist das? Hallo Papa, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, ich freue mich sehr, bei diesem Live, wie jeden Tag, mit bei euch mit dabei zu sein, und ich freue mich vor allem, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr dabei seid. Dabei sein, c'est une expression pour dire qu'on est là, qu'on fait partie. Dabei sein, c'est voilà, être là, faire part de quelque chose, faire partie de quelque chose. Donc, ich bin dabei, on peut aussi le dire par exemple, j'en suis. Wir machen eine Party, wir machen eine Reise. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Oui, j'en suis, je fais partie, je participe à tout ça. Sehr schön, dass ihr alle dabei seid. Karim, Christina, Karine, Malek, Fabien, Antoinetta, oh, so viele Namen, Rémi, oh là 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 là, es sind so viele Namen, ich kann gar nicht alle Namen lesen. Aber sehr schön, dass ihr dabei seid. Und ihr wisst, heute machen wir das 15. Türchen auf. Ja, das heute ist der 15. Dezember und wir machen die Tür 15 auf. Und heute habe ich eine Überraschung für euch, eine zweite Überraschung. Ja, es ist ja bald Weihnachten und Überraschungen, das ist doch was Schönes. J'aime les surprises, en plus c'est Noël bientôt, donc il y a pas mal de surprises. D'ailleurs, on aura une très belle surprise demain aussi, je vous en redirai un peu plus à la fin de ce live. Donc on va ouvrir la porte 15, mais il y a une surprise supplémentaire ce soir, et donc restez bien jusqu'à la fin de ce live pour ne rien rater, que vous soyez sur Insta, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, c'est pour tout le monde. Donc bienvenue, on est très nombreux ce soir, c'est super. Je vois déjà 80 personnes connectées, ça vient, ça arrive encore, c'est excellent, merci beaucoup. Vous voyez, on essaie de s'arranger, je peux pas être en live tous les soirs parce que j'ai ma vie de famille aussi, ça serait un peu compliqué sinon, mais de temps en temps j'essaie de faire le live aussi le soir. Je sais que beaucoup ne pouvaient pas venir en journée. Ja, Alia, Überraschung, c'est la surprise. Genau, Überraschung. C'est d'ailleurs les œufs surprise, les Kinder surprise qu'on appelle en français. C'est des Überraschungsei, Überraschungseier. Du coup, si on fait au pluriel. Genau, also, was ist das Geschenk vom 15. Dezember? Rapidement, pour ceux qui découvrent le principe, qui n'ont jamais assisté à un live du calendrier de l'Avent, depuis le 1er décembre de cette année, on ouvre chaque jour cette magnifique boîte qui nous laisse découvrir chaque jour des nouvelles surprises. Vous voyez, ça s'ouvre, on va bientôt voir ce qu'il y a dedans. C'est des spécialités, des choses typiquement allemandes que j'ai achetées dans le cadre de mon dernier séjour en Allemagne, que j'ai ramené exprès pour vous. Et on va apprendre l'allemand avec ça. Donc, on a déjà découvert des choses cette semaine, la semaine d'avant aussi, et la semaine d'avant, depuis le 1er décembre. Et à la fin de la semaine, donc dimanche soir à 20h, cette fois-ci, ce sera bien le soir à 20h, on fait un live spécial dans lequel je vais tirer au sort le nom du gagnant ou de la gagnante qui remporte toutes les surprises de la semaine, donc celles d'aujourd'hui et celles des autres jours. Donc si vous voulez tenter votre chance, c'est le moment, il faut écrire un maximum de commentaires, soyez actifs, montrez votre motivation, montrez-moi que vous en avez envie, et comme ça, vous pourrez peut-être faire partie, vous pourrez faire partie de ceux qui seront tirés au sort, si vous êtes super motivés. Et alors, Marie-Claire, tout de suite, pour répondre à ta question, hast du von Joachim gehört? Nein, ich habe noch nicht von Joachim gehört. Joachim hat letzte Woche gewonnen und ich habe immer noch nicht seine Adresse. Also, ich werde euch am Sonntag sagen. Joachim, wenn du das Video siehst, schick mir bitte deine Adresse, damit ich dir die Sachen schicken kann. Die Geschenke. Genau, also, wir machen jetzt mal hier das Türchen auf. Nummer 15. Oho, das ist doch was Schönes, oder? Was ist das hier? Ja, siehst du das, genau. Haribo. Wir haben schon Haribo gehabt.
In der ersten Woche hatten wir schon ein Päckchen Haribo und ja, und das waren die Goldbeeren, genau, die typischen Goldbeeren. Und diesmal ist es was anderes. Das ist auch Haribo, aber es ist kein Bär, kein Goldbär. Donc, c'est pas les petits nounours cette fois-ci. Aber es ist die Deutschlandflagge. Die Deutschlandflagge. Und du kennst natürlich die Farben von der Deutschlandflagge. Schreib sie mir mal in die Kommentare. Wie heißen die drei Farben der Deutschlandflagge? Du siehst sie hier. Also schreibe mir bitte, genau, mit den deutschen Farben. Mit den deutschen Farben wäre noch besser. Genau. Ja, die Flagge mit der Flagge. Also es ist die Flagge. Aber es sind Bonbons mit der Flagge. Mit, avec le Dativ, du coup, le die devient der. Also, ja, ich warte mal auf eure Kommentare. Genau, einige haben das schon geschrieben und es ist gut. Bis jetzt hat keiner den Fehler gemacht. Also es ist natürlich nicht schwarz, rot, gelb, sondern es ist richtig. Viele haben das geschrieben. Mohamed, Karin, Christina, genau, schwarz, rot, Gold. Mathieu hat es auch geschrieben, Fabienne auch, sehr schön. Schwarz, Rot, Gold. Auch hier auf Instagram, Lucy hatte das auch. Genau. Schwarz, Rot, Gold, richtig. Also nicht gelb, sondern Gold. Also das ist die Deutschlandflagge und die Bonbons sind, hier, das haben wir gestern gehabt, die Bonbons sind sauer. Sauer, on l'a vu hier. Puisque hier, on a parlé avec toute l'équipe d'apprendre naturellement, on a découvert les brause. Et les brause, c'est aussi sauer. Sauer, vous vous rappelez, on l'a vu hier. Ben, c'est l'occasion de réviser, c'est très bien de revoir les choses. Ça permet, nuage, très bien, c'est acide, très bien. Sauer est acide. C'est bien, je vois qu'il y en a qui suivent, super. Sehr gut. Also, diese Bonbons sind sauer. Und ihr kennt natürlich von Haribo den Spruch. Wie heißt es? Auf Deutsch. Donc, Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Wie heißt der Spruch auf Deutsch? Das haben wir schon gehabt. On l'a eu donc là, ensemble, on l'a vu déjà la première semaine. Est-ce que vous vous rappelez qui est capable? Alors, Lucie, piquant, c'était plutôt prickled. Le côté pétillant. Sauer, c'est plutôt le côté vraiment acide. Also, wer weiß noch das Motto von Haribo? Haribo, Haribo, wer schreibt mir das? Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob Friedrich Le Grand ein Deutscher ist oder Französisch. Das klingt so deutsch-französisch. Friedrich Le Grand. Aber vielleicht ist es auch nicht dein Name. Genau. Macht Kinder froh. Ja, hier noch besser. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Erwachsene ebenso. Franzose, alles klar, wunderbar. Hier. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Super, donc c'est bien, hein? Vous êtes au taquet, vous suivez, vous voyez, on apprend quand même des choses. Hein? Es für Kinder froh, oui, tu avais presque ça, hein, Lucie, on était presque. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Avec juste une majuscule sur Kinder et Erwachsene, puisque c'est des noms, et qu'en allemand, tous les noms prennent une majuscule, que ce soit des noms communs ou des noms propres. Voilà, il n'y a pas la notion de propre, en fait, tout prend des majuscules. Voilà, donc ça, c'est la surprise du jour. Geschmacksrichtung, donc c'est la direction du goût. C'est pas un goût très précis, mais en gros, le goût, c'est Schwarze Johannisbeeren. Ah, on a parlé hier des Beeren, puisqu'on avait dans les Brause hier, on avait Himbeere, et là, on a Johannisbeere. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est vraiment écrit petit. Johannisbeere, donc en fait, les baies de Jean. Johannisbeere. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Ça, j'ai un doute. Est-ce que c'est deux S? Non, mais deux N. Il y avait un truc qui me semblait faux. Johannisbeere. Johannisbeere, c'est donc Himbeere, ça c'est le la framboise. Erdbeere, la fraise. Et Johannisbeere, non, je pense que c'est Marie-Claire qui a raison, c'est la groseille. La groseille et non pas... attends, vous mettez des doutes. Du coup, Stachelbeere, c'est la
le cassis, c'est Stachelbeere, parce qu'il y a des... Ou ça, c'est plutôt les mûres. Oh là là, vous mettez un gros tout. Mais Johannisbeere, j'aurais dit que c'était la groseille. Et j'ai pas mon dictionnaire pour vérifier, donc il y en a qui vont être plus rapides que moi. Parce que là, vous me parlez de mûres, de groseille et de cassis. Et du coup, j'ai toujours un doute avec toutes ces beeren. Groseille, c'est bien ça. Hein. Mathieu, merci de confirmer. Forcément, une fois qu'on se met à réfléchir, on sait plus, la tête se mélange. Johannisbeere, c'est bien la groseille. De rot Johannisbeere. Brombeeren, les mûres, très bien. Mais oui, bien sûr, merci. Ah oui, je suis pas non plus toujours au taquet. Hein. Des fois, quand on cherche des trucs, on est plus, on l'a tout à fait dedans. Mais je sais que j'avais fait un post là-dessus sur Instagram, sur toutes les beeren, les baies. Voilà, bon. Après, Aurélie, Stachelbeere, la groseille à maquereau. Oui, mais ça sera proche plus ouais, du cassis. Et alors après, il y a les Josta, enfin ce qu'on appelle en Alsace les Josta, qui sont donc les caseilles, puisque c'est un mélange de Johannisbeere et de Stachelbeere. Jo pour Jo, Johannisbeere, Johannisbeere, Stachelbeere. Donc en Alsace, où j'ai grandi, on appelait les Josta, c'était donc ce qu'on appelle en français les caseilles. Bon bref, on va... se mélanger. Merci Lucie, effectivement, cassis, c'est schwarz, c'est Johannisbeeren, et groseille, c'est rot Johannisbeeren. Donc, effectivement, mais de manière générale, quand on parle de Johannisbeeren, c'est plutôt les groseilles. Bref, il faudrait manger ça. Et comme là, on a schwarz et Johannisbeeren, bah, c'est bien le cassis. Ok, on a tourné en rond, mais on a bien trouvé la bonne solution. Merci pour chacun pour votre aide. Mais c'est très bien parce qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'on apprend. En fait, là, on vient de parler de Beren, on a discuté, les uns et les autres apportent justement des choses qu'ils connaissent. Et en fait, c'est justement ça dans l'apprentissage, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres. Si vous êtes que dans votre coin en train d'essayer d'apprendre l'allemand, bah, très vite, on se décourage. Alors qu'en fait, c'est tellement plus motivant quand on discute avec d'autres, quand on commence à parler, à échanger, et que du coup, on peut après aussi approfondir ses apprentissages. Maintenant, je suis sûre qu'à la fin de ce live, vous aurez tous envie d'aller revoir, mais qu'est-ce que c'est exactement les BRN et qu'est-ce qu'il y avait comme autre nom? Et pourquoi pas vous faire chacun votre petite fiche avec les Johannisbeere. Et c'est là que vous allez retenir Himbeere, c'est la framboise, et Apéro, parce que vous allez le faire vous-même et parce que ça vous aura peut-être frustré de se dire, attends, je sais plus, du coup, on a dit tout ça dans le live, je me rappelle plus. Et en fait, bah, c'est exactement ça que je découvre et que je prends, dont je veut prendre, vous faire prendre conscience de plus en plus, c'est que, voilà, exactement Rémi, on apprend naturellement, on apprend aussi surtout dans la communauté, dans l'échange avec d'autres personnes. Et je suis tellement triste de voir plein de personnes qui restent seules dans leur coin à essayer d'apprendre l'allemand, alors qu'ils vont peut-être plutôt regarder des vidéos, etc., mais qui vont pas pratiquer. Et c'est une erreur trop fréquente que je vois, et si c'est votre cas, eh bien, sentez cette alarme sonner et dites-vous, il faut que je change. Si vous continuez d'apprendre tout seul dans votre coin et que vous sentez que vous ne progressez pas et que vous n'arrivez toujours pas à parler en allemand, c'est que la méthode que vous employez jusqu'à présent ne suffit plus ou n'est plus assez efficace et qu'il faut que vous ayez changé de méthode pour apprendre et pour pouvoir pratiquer. Eh bien, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de personnes avec qui parler. Alors, Ravanol me dit, monsieur, viele Freunde, um zusammen zu lernen oder zu arbeiten. Genau, viele Leute suchen Leute, mit denen sie sprechen können. Vous êtes nombreux et j'en reçois quasiment quotidiennement des messages à ce sujet de personnes qui me demandent des contacts, qui me disent, mais à qui je pourrais parler? Est-ce que tu connais pas des gens, etc. Oui, j'en connais tout plein. Je connais, puisque forcément, entre la chaîne d'Einfach et la chaîne d'Apprendre naturellement, moi, je vois au quotidien des personnes qui recherchent des gens avec qui parler. Et c'est exactement ce qu'on propose justement dans la communauté aussi parler allemand, c'est de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Beaucoup dans les commentaires, et on en a parlé dans ces derniers jours, beaucoup d'entre vous font partie déjà de la forma de la du programme parler allemand. C'est une formation et c'est aussi surtout une communauté et peuvent échanger au quotidien avec des personnes motivées comme elles. Parce que vous n'avez pas forcément dans votre entourage toujours des personnes qui ont envie d'apprendre l'allemand ou qui trouvent ça que c'est une bonne idée d'apprendre l'allemand. Vous avez peut-être plutôt des personnes qui vous disent, mais pourquoi tu veux apprendre l'allemand? C'est quoi cette idée? Et on a besoin de se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes motivations, les mêmes goûts que vous. Et c'est exactement ce qu'on propose dans la formation Parler allemand. Alors, on en a parlé un petit peu il y a quelques jours.
On avait évoqué le sujet et puis il y avait plusieurs questions qui étaient venues. J'avais dit, on se reprendra un temps pour en parler et je vous répondrai précisément à chacune de vos questions. Et c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir proposer ce soir. Et puis, il y aura, si jamais vous regardez cette vidéo en replay et qu'on ne répond pas à des questions qui vous restent encore, eh bien, il y aura d'autres occasions encore dans les prochains lives de venir où vous pouvez bien sûr aussi toujours nous contacter par message privé sur Instagram ou par mail. Parce que vraiment, on aimerait, avec toute l'équipe que vous avez rencontrée hier aussi en partie, on aimerait vraiment aider de plus en plus de personnes à pouvoir parler et à pouvoir se connecter. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a commencé avec Einfach Französisch pour justement aller encore plus faire le travail de chercher pour vous des Allemands qui veulent apprendre le français et avec qui vous allez pouvoir parler. Alors, c'est justement la nouvelle aussi de ce soir. Et que je voulais vous annoncer, j'y ai beaucoup travaillé les derniers jours, là ça m'a pris pas mal d'heures, mais j'espère que ça va vous plaire, c'est que je vous ai mijoté à côté de notre calendrier de l'Avent et de toutes les surprises qu'on vous prépare. Eh bien, je vous ai mijoté avec le Père Noël, n'est-ce pas? Hein, j'ai son magnifique chapeau. Une magnifique offre de Noël avec une remise sur nos formations. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient des questions à ce sujet ou aimeraient déjà nous rejoindre. Eh bien, sachez qu'à l'occasion de ce calendrier de l'Avent, et donc pendant quelques jours, je viens de proposer une offre de Noël. Alors oui, Lucie, je vois ton message. Je sais que j'ai des messages en attente sur Insta. Le truc, c'est que comme je te dis, j'étais au niveau technique, là, c'était assez tendu les derniers jours pour pouvoir vous préparer cette offre de Noël, mais elle est prête et donc du coup, promis, d'ici vendredi au plus tard, il y a une réponse. Mais c'est juste que voilà, on est une petite équipe et je fais beaucoup, même si les membres que vous avez vus hier m'aident aussi. Donc du coup, voilà, c'est aussi chaud, mais on essaye de suivre. Alors, juste pour que vous sachiez, donc il y a une remise sur la formation, une remise vraiment exceptionnelle qu'on ne fait pas du tout, que vous ne retrouverez pas à un autre moment de l'année. C'est vraiment exceptionnel là pour cette fin d'année et pour Noël. Je vous mettrai le lien juste après dans la vidéo, enfin dans les commentaires, mais juste que vous puissiez un petit peu voir un peu ce que c'est. Et puis, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser, de les mettre dans les commentaires. Alors, là, ce que je vais présenter ce soir, c'est ça s'adresse surtout aux personnes qui ne sont pas encore membres de la formation ou qui s'intéressent, qui sont peut-être membres du niveau 1, mais qui s'intéressent au niveau 2, parce que oui, il y en a deux niveaux. En fait, donc, globalement, pour vous expliquer ça simplement, la formation Parler allemand ou le programme Parler allemand, c'est donc l'accès à toute cette communauté franco-allemande des personnes à votre niveau avec qui vous allez pouvoir parler allemand et avec qui vous allez pouvoir échanger au quotidien. Et on a en fait, à côté de cette communauté, à votre niveau, on fait des échanges, des rencontres en live, des conversations plusieurs fois par mois. Et bien, vous avez évidemment aussi toute une partie de formation, puisque pour pouvoir profiter de ces échanges et pour pouvoir dialoguer, et bien, vous avez besoin aussi de pouvoir échanger avec des personnes. J'ai presque plus de batterie sur Instagram, j'espère que ça va suffire. Je vais mettre mon téléphone à charger. On est en direct. donc voilà, à côté de toute la communauté, de tout cet accès à la communauté qui est essentiel. Vous avez évidemment aussi la formation qui va vous permettre. C'est bon, on a sauvé, j'ai pu me brancher. Qui va vous permettre d'acquérir toutes les bases et de pouvoir vraiment pouvoir communiquer. Donc, on a une formation niveau 1 qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent apprendre ou réapprendre les bases de la langue allemande et être capable de communiquer au quotidien. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui ont le niveau A1, A2. C'est des personnes qui, voilà, qui ont peut-être déjà quelques bases ou qui n'ont jamais fait d'allemand de leur vie et qui aimeraient savoir par où commencer, connaître un petit peu toutes les bases. Dans la formation, je vais vous partager juste un petit aperçu de l'espace formation. Donc, si vous êtes déjà membre de la formation niveau 1, vous vous dites peut-être, Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne connais pas du tout. Rassurez-vous, c'est la même chose. Si vous avez déjà suivi le niveau 1, c'est la même chose. C'est juste qu'on a changé d'espace. On a tout mis à jour sur un nouveau site pour être aux normes pour le CPF. Mais ça, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Donc, ça, c'est tout le contenu du niveau 1. Vous voyez, chaque titre là, chaque point, c'est une vidéo. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Il y a 12 modules, plus plein de bonus, des conférences aussi en plus, etc. Là, je vous montre une leçon que j'ai prise au hasard, donc c'est dans la leçon du module 3, donc c'est la troisième semaine, il y a 12 modules en tout. Vous avez dans le module 3, vous voyez, vous avez 5, 6 leçons, ça dépend entre 5 et 6 leçons.
Et là, je prends une leçon type, mais toutes les leçons sont formées sous le même principe. Il s'agit d'apprendre des formules courtes pour exprimer les vœux dans la vie quotidienne. Et puis, on aura aussi exprimé les vœux à l'occasion des fêtes, donc joyeux Noël, comment dire, bonne année, toutes ces choses-là. Donc là, vous avez une vidéo qui dure 10 minutes. Donc les vidéos, elles durent entre 10 et 20 minutes. Ça, c'est quand même plus prolongé dans les explications et dans les exemples que ce que je propose sur YouTube. Donc ce n'est pas des vidéos qui sont sur YouTube, celles-là. On est d'accord, c'est vraiment un espace dédié aux membres de la formation. Vous avez ensuite une version audio. Donc vous pouvez réécouter la formation et vous pouvez retravailler le vocabulaire. Donc là, si vous êtes sur Insta, je suis désolée, vous ne voyez pas mon partage d'écran. Il est sur YouTube et Facebook, mais vous entendez quand même les explications. Et vous avez en dessous, donc directement sur la même page, un questionnaire qui va vous permettre de vérifier que vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on dit par exemple, herzlich, est-ce que c'est appétit, est-ce que herzlich Glückwunsch ou herzlich willkommen? Eh bien, la bonne réponse, c'est herzlich willkommen, puisque sinon, ce serait herzlichen Glückwunsch. Mais si vous avez bien regardé la vidéo, vous savez. Mais en gros, voilà, vous avez un petit quiz autocorrectif, vous lancez ensuite, une fois que vous avez tout rempli, et vous savez directement si vous aviez bien répondu. Donc, c'est le même principe pour chacune des leçons. Hein. Je peux en prendre une autre. Vous avez un audio, les exercices pour s'entraîner. Évidemment, vous pouvez aussi noter des commentaires. Donc là, il n'y a pas encore beaucoup de commentaires puisqu'on a remis depuis peu ce nouvel espace membre. Mais avant ça, il y a déjà près de 200 personnes qui ont suivi ce programme. Donc, il y avait beaucoup de commentaires sur l'ancienne plateforme. Vous pouvez sur cette nouvelle plateforme aussi prendre des notes pour voir aussi avoir une trace. Et puis, vous avez, alors ça se met dans l'introduction, mais c'est valable pour tout, vous avez les annexes. Donc, vous pouvez télécharger en fait tous les contenus de la formation du module 3 et tous les audios, tout ça, vous pouvez le télécharger pour revoir. Ouais, je crois que ça va pas passer si je vous le partage. Mais bon, voilà un peu l'aperçu de l'espace formation du niveau 1. Donc, vous voyez, on voit des choses vraiment très concrètes sur comment dire bonjour et au revoir, compter jusqu'à 1000, parler d'une date, la prononciation des lettres, évidemment, c'est important, comment dire et demander à quelqu'un comment ça va, la conjugaison des verbes réguliers, enfin, je suis qu'au module 5, hein, je ne vous ai pas encore tout lu, hein, mais parler de sa famille, parler de ses émotions. On va aller passer au module 12, que vous voyez un petit peu, prendre rendez-vous chez le docteur, dire pourquoi ça ne va pas bien, parler du déroulement d'une journée type, dire qu'on est fatigué, différencier les verbes séparables, inséparables. Toujours, il y a un petit peu de grammaire quand même qui est là, parce qu'on a besoin de ça aussi pour approfondir nos connaissances dans la langue. Et à chaque fois, vous avez aussi un quiz qui va vous permettre, à la fin de chaque module, de valider que vous avez bien compris tous les contenus. Donc ça, c'est la présentation du niveau 1. Le niveau 1 est habituellement vendu sur mon site et sur le CPF au prix de 997 euros. À l'occasion donc de cette offre de Noël, vous pouvez accéder au niveau 1 pour 597. Donc pour moins de 600 euros, vous avez un accompagnement. Donc c'est moins de 100 euros par mois. Vous avez pendant 6 mois des contenus qui vont vous permettre de progresser. Et de toute façon, c'est même un accès illimité. Donc, vous pouvez continuer même au-delà de la formation, de continuer de progresser. Je vais juste vous repartager du coup le bon de commande. Je vous mettrai le lien tout à l'heure pour que vous puissiez, pour ceux que ça intéresse, vous inscrire. Mais donc, sachez que voilà, à l'occasion de Noël, donc là encore une fois, vous le voyez sur YouTube et Facebook, à l'occasion de Noël, donc on vous a mis en place. Une offre qui est donc valable jusqu'à qui est là pendant 4 jours, hein. C'est vraiment voilà, jusqu'à dimanche soir, parce qu'après il y a pas mal de gestion de dossiers et donc j'aimerais quand même pouvoir me reposer un peu autour de Noël. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment de le faire avant dimanche soir. L'offre est valable jusqu'à moins 40% sur nos formations. Donc vous pouvez rejoindre soit le niveau 1 que je viens de vous présenter, soit le niveau 2 qui est donc plus avancé, que je vais vous montrer juste après. Et vous pouvez aussi choisir de prendre donc soit que ce soit le niveau 1 ou le niveau 2 avec un boost. Et le boost, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je le représente ici rapidement. Le boost, en fait, c'est la possibilité de communiquer avec l'une de nos membres de notre équipe germanophone et de pouvoir discuter en allemand au quotidien, de pouvoir envoyer des messages. Et c'est vraiment le but, c'est de vous débloquer à l'oral et que vous sortiez de ces 5 semaines en disant, ça y est, j'ose parler, c'est bon, je peux me lancer, j'ai encore des choses à progresser, mais je me sens capable de le faire. Le pack formation, que ce soit niveau 1 ou niveau 2, avec le boost, il est habituellement vendu à 1497 euros. Donc, que ce soit par le CPF ou que ce soit en paiement à fonds propres. À l'occasion de Noël, je vous ai fait une remise, il est à 997. Donc, en gros, si vous prenez le boost, eh ben, vous avez
la formation au prix public, mais vous avez en plus le boost. Donc, c'est plutôt chouette. Et ce boost-là, on a beaucoup de retours, vous le verrez sur la page. Jean-Marc qui dit par exemple, Jeanne nous sollicite tout le temps pour aller de l'avant. Les exercices sont très variés, il y a une réelle progression. Je suis très content de la formation. Chantal aussi qui dit pouvoir parler, réécouter, ça aide. J'ai vraiment fait des progrès à l'oral. Karine qui dit c'était une super expérience pour moi. J'ai progressé à l'écrit et à l'oral. Et ça, c'est vraiment voilà, des témoignages des personnes aussi qui ont pu suivre ce boost où on vraiment vous accompagne au quotidien. Pascal aussi qui dit le coaching boost, c'est le complément idéal à la formation initiale. Donc, que vous soyez en niveau 1 ou en niveau 2, on vous accompagne dans votre apprentissage. Alors, du coup, je n'ai pas trop regardé les questions. Je vais revoir ça dans tout de suite, voir répondre à vos questions aussi. J'en ai vu sur Insta aussi, sur du Facebook. Je regarderai ça. Je réponds à vos questions. Restez là. Je veux juste montrer le... Pardon, il faut que je repartage mon écran. C'est un peu pénible. Voilà, on y est. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu du niveau 2. Donc ça, c'est le niveau 2, c'est quand même pour des personnes qui ont déjà des bases en allemand, qui savent se débrouiller au quotidien, qui savent voilà, comprendre. Also wenn du zum Beispiel das Niveau 2 nehmen willst, dann solltest du verstehen, was ich jetzt gerade sage. Wenn das zu viel ist, wenn du das nicht mal verstehst, dann solltest du das Niveau 1 buchen. Ja? Donc si déjà par exemple, ce que je viens de dire, tu es dépassé, c'est que c'est vraiment le niveau 1 que tu devrais prendre. Wenn du das gut verstehen kannst, dann kannst du Niveau 2 nehmen. Es ist okay und es ist gut für dich. Da gehen wir weiter. Ich spreche viel mehr auf Deutsch im Niveau 2. Vous remarquez, hein, je parle beaucoup plus en allemand pour le niveau 2. C'est vraiment ça dans la formation. Hier im Niveau 2 haben wir also auch 12 Module. Die sind alle da, 12 Module. Und für jeden Modul hast du eine Hörverständnisübung. Das ist ein Text. Also manchmal bin ich drauf oder manchmal ist es jemand anders. Das ist hier zum Beispiel die Astrid. Und du hast also eine Übung, wo du zuhören musst, gut zuhören. Und dann trainieren wir mit der Papagei-Methode, damit du den Text gut aussprechen kannst. Donc c'est un travail de compréhension orale d'un texte. Et ensuite, il y a un travail avec la méthode du perroquet que j'ai développé qui va vous permettre d'améliorer votre prononciation. Dann haben wir eine Wortschatz. Lektion. Es geht manchmal um idiomatische Redewendungen oder manchmal hier zum Beispiel um den Plural, manchmal hier die Adjektive. Also es gibt verschiedene Lektionen für Wortschatz und oft gibt es auch eine Übung, donc il y a un exercice souvent qui est présenté et qui est ensuite corrigé en vidéo. Donc vous faites l'exercice et vous avez directement la correction en vidéo avec les erreurs les plus fréquentes. Und dann haben wir die Grammatiklektion. Zum Beispiel der Konjunktiv oder die Da-Wörter, Akkusativ, Dativ. Donc ça, c'est vraiment, on va vraiment plus dans la grammaire, l'ordre des mots dans la phrase, comment savoir placer les mots dans d'une phrase dans l'ordre, etc. Donc ça, c'est des choses vraiment plus précises. On va vraiment plus approfondir tes connaissances en langue et surtout te permettre de pratiquer en groupe. Le niveau 2, c'est vraiment ça, c'est de continuer de te permettre de pratiquer au sein d'un groupe. Donc, on a un groupe WhatsApp privé pour les membres de la formation niveau 2 où on communique au quotidien, où de temps en temps, je lance des petits challenges, où les uns et les autres partagent des choses. Et ça te permet vraiment une expérience immersive au quotidien, même si tu n'es pas en Allemagne. Et souvent, c'est ça que les gens nous disent, mais c'est trop bien, j'ai l'impression de vivre en Allemagne alors que je suis tranquillement dans mon confort chez moi. C'est vraiment ça ce qu'on veut permettre au sein de la formation parler allemand. Donc là, tu as vu un peu l'aperçu des niveaux 1 et 2 que nous proposons. Mais ce qui est important, c'est vraiment de vous permettre aussi de communiquer. Et donc, on organise des sessions en live plusieurs fois par mois avec donc les membres du niveau dans lequel tu es. Donc, tu es avec des gens qui ont à peu près le même niveau que toi et où on peut discuter en allemand autour de thèmes qui ont été proposés à l'avance. Donc, on peut aussi parfois... Pardon, faire des points de grammaire, enfin des points de vocabulaire, répondre à vos questions. On est en petit groupe et donc là, on prend vraiment le temps de vous accompagner. Donc voilà un peu pour la présentation. Donc sachez que voilà, l'offre est valable pour le niveau 1 et le niveau 2. Vous avez donc une remise jusqu'à 40%. Donc au lieu de 997, le prix habituel, vous pouvez rejoindre la formation à 597 €. Donc voilà, c'est un programme sur 6 mois, mais vous pouvez aussi... voilà, le suivre aussi plus longtemps, vous pouvez le suivre en 3 mois si vous voulez vraiment, si vous avez beaucoup de temps à investir, généralement c'est plutôt voilà, un peu plus long.
C'est-à-dire les gens prennent plutôt 6 mois pour bien approfondir les choses. Voilà, ça c'était un peu la présentation que je voulais vous donner. Je pense que ça répond, ça situe déjà un petit peu sur ce que c'est que le niveau 1, le niveau 2. Et si vous avez du coup maintenant des questions, je vais revenir un peu en arrière dans les commentaires et essayer d'y répondre. Ou des remarques. Voilà, Marie-Claire, membre de la formation qui nous écrit, les lives sont agréables. Super. Alors Christophe aussi, membre de la formation, je te connais bien. Hast du vor, ein Level 3 herzustellen? Alors non, j'ai pas, c'est pas prévu pour l'instant. J'ai d'autres choses prévues et je renverrai demain. Il y aura un mail un peu spécial demain ou vendredi que j'enverrai juste aux membres de nos formations. J'ai aussi quelque chose de prévu, mais juste pour vous. Mais ça, c'est la petite surprise que je réserve. Je ne vais pas en parler ici dans ce live qui sera juste pour les membres de nos formations. Mais ce n'est pas un niveau 3, ce n'est pas prévu au programme. Xavier, Papagaï méthode est toll. Le niveau 1, dit Déborah, ça permet d'avoir un bon niveau pour se débrouiller en allemand. Bon, mais si c'est tous les membres de la formation qui me mettent des commentaires, c'est sympa, mais non, vous êtes très gentils et c'est chouette. Et en fait, c'est très chouette aussi que vous puissiez vous-même donner votre avis sur la formation parce que vous la connaissez, vous l'avez suivi, tout ce que je viens de citer là, c'est des membres de la formation. Mais allez-y, si vous avez aussi des questions, c'est le moment. Je remonte un petit peu ou sinon repostez la question si je ne l'ai pas vue. Alors Xavier, tu me posais une question à propos du coaching boost, mais je te propose qu'on en parle aussi tous les deux. Tu peux m'envoyer un mail, on est en communication comme tu es déjà membre. Là, comme dit, je voulais ce soir aussi surtout répondre à des questions qui ne connaissent pas, des personnes qui ne connaissent pas la formation. Alors, Alia, niveau 2, c'est B2 ou A2? Alors non, le niveau 2 de notre formation parler allemand, c'est plutôt l'équivalent du B1. Nos formations ne sont pas ciblées sur l'obtention d'un B1. On ne vous promet pas d'obtenir le B1 ou B2, quoi. Avec nos formations, on vous promet de pouvoir parler, pratiquer la langue allemande au quotidien avec d'autres membres motivés et on vous permet de gagner en aisance. On vous propose, vous aurez le droit en tant que membre de la formation de passer un test certifié à la fin, pas par nous parce qu'on n'est pas certificateur, mais par un organisme qui vous donnera un test et vous aurez une validation de votre niveau AE, A1, A2, B1, B2, etc. Mais ce n'est pas le but de la formation. Par contre, voilà, globalement, les contenus du niveau 1, c'est plutôt A1, A2 et les contenus du niveau 2, c'est plutôt B1, B2. D'accord? Pour répondre à ta question. Alors, de toute façon, ce qu'on fait, si vous avez un doute entre niveau 1 ou niveau 2, inscrivez-vous pour le niveau qui vous semble le plus cohérent et on vous fait de toute façon passer un test de niveau au départ. Et si on voit que vous n'êtes pas inscrit dans le bon niveau, on intervertira en interne pour vous donner le niveau qui vous correspond. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez le niveau qui vous semble le plus cohérent et si jamais on s'est trompé, eh bien, il n'y a pas de souci, on reverra ça en interne après. Voilà, je regarde s'il y avait... d'autres questions. Voilà, sinon je reviens vers les commentaires les plus actuels. Voilà, alors là une question de Loki, est-ce qu'il y a une certification dans le prix? Donc c'est ce que je viens de dire, hein. Oui, effectivement, dans ce prix on inclut la certification, donc vous aurez pour le prix de 597 €, vous aurez aussi votre certification en allemand. Alors, le tarif de la formation correspond à une mensualité. Non, c'est un paiement en une fois. Vous payez une fois. Alors, vous pouvez aussi payer en plusieurs fois si ça vous arrange. J'ai mis en place des modalités de paiement plusieurs fois. Mais vous accédez en fait de manière illimitée à la formation, au contenu vidéo, aux exercices, tout ce que je vous ai montré sur la plateforme. Ce qui est juste limité, c'est les séances de live où on les limite pendant 6 mois parce qu'on estime que voilà, c'est là où ce qui va vous donner le plus confiance et être le plus intense. Après, si vous voulez continuer, c'est possible, on en rediscutera. Mais ce n'est pas une mensualité, hein, c'est un prix unique et vous accédez ensuite en illimité à la formation. Je vois aussi une question sur Instagram. Est-ce que Rémi demande, est-ce qu'il y a des réductions sur les autres formations? Je pense que tu parles peut-être du challenge de prononciation ou du pack de révision. Il n'y a pas de réduction possible. Prévu, pardon, sur ces formations-là. Là, j'ai mis vraiment pour Noël le paquet pour parler allemand parce que c'est vraiment les formations aussi dans lesquelles je crois le plus. C'est celle qui apporte aussi le plus de résultats auprès de nos clients. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous offrir le plus parce que c'est ça qui va le plus vous transformer aussi et vous permettre de progresser en allemand. Voilà. Alors, il y avait aussi Mylène. Donc, je ne peux pas l'afficher là, mais je vous la lis sur Instagram. Avec le CPF, l'obligation doit être finalisée en 6 mois. La validation de la réalisation de la formation au CPF se fait sur quels critères? Alors, sur le CPF, donc là, effectivement, quand on rentre dans le cadre du CPF
eh bien, il y a toute une mise en norme sur laquelle j'ai dû travailler du coup toute cette année, ce qui justifie aussi, Xavier, la différence de prix par rapport à l'année dernière. Toute cette année, j'ai dû, pendant plusieurs mois, retravailler entièrement mes formations, mes contenus de formation. Vous voyez que là, la formation est sur un nouveau site. On travaille maintenant avec un organisme certificateur, donc on inclut cette certification. Tout ça, c'est des frais supplémentaires et qui apporte aussi de la valeur et de la qualité aussi à la formation. Mais ça a été un gros travail cette année, justement, de passer cet audit pour que nos formations soient validées, agréées pour être dans le CPF. Donc, si vous vous inscrivez via le CPF, eh bien, là, vous avez, vous avez la certification qui est inclue. En fait, dans le CPF, il faut que je mette une limite. C'est la demande. Donc, si vous vous inscrivez via le CPF, la formation est limitée à 4 mois parce qu'en fait c'est la durée minimum, enfin je veux dire, c'est en 4 mois on peut déjà faire de belles choses, mais rassurez-vous, même si vous inscrivez avec le CPF, vous pouvez continuer de en fait suivre la formation même au-delà des 4 mois. C'est juste que nous on finalise les choses et au bout de 4 mois on clôt en fait le dossier, parce que c'est ça qui me permet aussi d'être payée, parce que en fait, pendant les 4 mois, moi, je ne touche rien. Donc, il y a un moment aussi où, voilà, on s'investit pour vous pendant 4 mois. Mais du coup, à la fin des 4 mois, on clôt le dossier officiellement au CPF. Mais par contre, vous restez membre de la formation. Vous conservez les lives qui sont en fait un bonus qu'on offre en plus, qui ne sont pas comptabilisés dans le CPF. Et donc, au niveau de la validation, donc il y a en fait le test. On passe un test de placement au départ. Donc ça, c'est que vous soyez au CPF ou pas. Tout le monde, on propose un test de placement pour votre niveau au départ, pour vérifier que vous êtes bien dans le bon niveau, est-ce que vous avez bien choisi le niveau 1, niveau 2, ça correspond à votre niveau d'allemand. Et ensuite, on propose une certification à la fin. Donc ça, c'est inclus et ça montre aussi, ça valide aussi. Et puis, il y a sur toute la plateforme, en fait, tous les quiz. Enfin, vous allez pouvoir à la fin vous télécharger une attestation de formation avec du coup, tout le temps passé sur la plateforme, tous les exercices faits, vos taux de réussite au quiz, etc. Tout ça, ça fait partie aussi de la validation au CPF. Est-ce que les lycéens peuvent bénéficier du CPF? C'est accessible aux étudiants, mais je ne crois pas aux lycéens. À te renseigner, il faudrait en fait simplement créer un compte. Il faut le numéro de sécurité sociale, ton nom, et tu crées un compte sur mon compte formation.gouv.fr. Tu verras bien, mais je ne pense pas que ce soit accessible aux lycéens. Par contre, après, si par exemple, toi, en tant que parent, tu achètes la formation, ou si je ne sais pas qui, Rémi, si c'est, à qui je m'adresse exactement, mais si les parents, par exemple, achètent avec leur compte CPF une formation que finalement ils suivent avec leur enfant, il n'y a pas de souci pour moi en tout cas. Donc voilà. Est-ce que Jean-Claude demande, est-ce que le nouveau site est accessible à ceux qui ont suivi le niveau 1, le niveau 2 en 2020? Alors, bon, ça, c'est encore une question entre clients à voir. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément pertinent de te donner les accès au niveau 1 parce que tu vas retrouver les mêmes contenus. Maintenant, si ça te fait plaisir, contacte-moi et on verra. Mais ça sera les mêmes contenus, quoi. Globalement, il y a quelques quiz en plus. Le CPF, Mathieu, tu as plus d'infos que moi, apparemment, et pour les personnes actives de plus de 16 ans. Donc, oui, effectivement. Les étudiants sont quand même éligibles, à ma connaissance. Voilà, est-ce que je regarde s'il y a d'autres questions. Ah oui, mais je ne vous ai pas donné le lien. Ce sera peut-être bien quand même que je vous donne le lien de la promo. Voilà. Alors, sur Insta, je vous le mettrai en commentaire juste en dessous de la publication. Donc, sur Insta, quand vous irez sur mon feed, vous verrez ce live et je vous mettrai en dessous le lien. Je le mettrai aussi sur mon profil. Mais en tout cas, sachez que sur Facebook et sur YouTube, vous le voyez maintenant, il s'affiche dans les commentaires et je l'affiche aussi à l'écran. Donc c'est formation.parler-allemand.com/noël-21. Voilà, bon, autant cliquer dessus, hein, c'est plus simple. Je vous le mettrai sur Insta, sur mon profil, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus. Dominique, si t'as pas Instagram, c'est pas grave, tu cliques là et ça marche aussi. Donc je vais juste, si j'ai zappé une de vos questions, si vous m'aviez posé une question et que je ne l'ai pas vue, reposez-la moi maintenant. La certification, c'est un level tel, c'est une certification level tel? Non, la certification avec laquelle nous on travaille, c'est la certification Piplet, qui vous donne un certificat en langue, au niveau reconnu à l'échelle européenne, donc A1, A2, B1, B2, etc.
Alors Jean-Claude, en fait non, on a les deux sites, ceux qui étaient avant sur l'ancienne formation, je ne les ai pas tous migrés sur le nouveau site, mais voilà, si tu souhaites, c'est possible. Alors pour les fonctionnaires, c'est un peu plus compliqué, je connais bien le sujet, mais donc du coup voilà, pour les fonctionnaires, il faut que vous demandiez l'accord à votre... à ceux dont vous dépendez en fait, parce que au ministère dont vous dépendez ou à... Parce que vous êtes comme type de fonctionnaire, c'est un peu plus compliqué. Il faut que vous demandiez l'accord pour rejoindre nos formations, pour utiliser votre compte CPF et puis rejoindre notre formation. Et voilà, c'est plus compliqué malheureusement pour les CP, pour les fonctionnaires. Mais par contre, pour profiter de l'offre de Noël, ça c'est pour tout le monde, hein. Moi, je vous demande pas qui vous êtes ou quoi. L'offre de Noël est valable pour tout le monde. Voilà, ce que je voulais vous partager aussi. Ah, et puis il faut que je vous dise aussi pour demain, parce que demain le live va être un peu spécial. Donc ça, il faut que je vous dise aussi. Donc voilà, ça c'est le bon de commande. Si vous avez retrouvé le lien, c'est là-dessus que vous allez arriver. Et donc, voilà, c'est vous avez 4 jours pour profiter de l'offre de Noël. Donc ne laissez pas passer ça, ça serait dommage. C'est le moment de vous inscrire, donc soit au niveau 1, soit au niveau 2. Et si vous le souhaitez, avec l'option boost. Donc vous avez ici le choix de la formule, vous avez plein de choix. Et ça m'a pris bien du temps de préparer tout ça, mais j'ai réussi. Tout ce que je peux faire pour vous faire une belle offre de Noël. Donc vous avez, juste pour que ce soit bien clair, vous avez le niveau 1 et vous pouvez payer en une fois ou en 3 fois, hein, avec paiement sans frais, enfin pour vous, moi j'ai des frais, mais ça c'est une autre histoire. Pack niveau 1 plus boost, donc à 997 au lieu de 1487, vous pouvez payer en 3 fois, là aussi, plutôt chouette. Niveau 2, pareil, à 597. Vous pouvez payer en 3 fois, vous avez compris la musique. Et niveau 2 avec le boost. Ou payer en 3 fois. Donc choisissez bien l'option que vous souhaitez et ensuite vous complétez vos coordonnées et voilà, numéro de carte, etc. C'est totalement sécurisé. Moi, je n'aurai pas accès à votre numéro de carte, je vous rassure. Et donc voilà, vous complétez tout ça. Vous validez évidemment les conditions générales de vente, ça c'est essentiel. Et c'est bon, c'est parti, c'est validé. Et moi, je vous enverrai ensuite toutes les infos par rapport au niveau que vous aurez choisi. D'accord? Donc ça, c'est possibilité 1, c'est payer par carte, c'est totalement sécurisé, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à le faire. Choisissez bien l'option que vous voulez. Si par contre, vous préférez payer via PayPal, je sais que certains préfèrent ça, eh bien là aussi, il y a tout ce qu'il faut. Regardez à droite, vous avez dans les choix de formation le niveau 1, avec les contenus qui sont rappelés ici, alors rapidement, hein, j'ai synthétisé. Et donc, on a 12 modules de 5 à 6 vidéos, on a accès à la communauté d'apprenants franco-allemands à ton niveau. Et donc, on aborde des thèmes comme savoir se présenter, faire connaissance, parler de sa famille, de son travail, etc. Et tout le vocabulaire utile pour vivre et pour voyager en Allemagne. Donc là, vous avez deux possibilités encore de plus. Donc, soit vous payez à gauche en donnant simplement votre carte bancaire et c'est bon. Soit vous pouvez utiliser votre compte CPF, vous cliquez là sur le bouton, ça vous emmène directement sur le compte CPF, sur la bonne offre, vous n'avez même pas besoin de la chercher. Vous créez juste votre compte CPF et puis vous inscrivez, vous déposez votre dossier et c'est parti. Alors avec le CPF, il y a un petit délai d'attente parce que pareil, pour être dans les clous, eh bien il faut que je respecte 11 jours ouvrés avant de vous envoyer des accès à la formation. Voilà, ça c'est les petites choses internes. Vous ne pourrez pas démarrer tout de suite ce soir, mais voilà, très très vite, de toute façon, je vous accompagne tout le long et vous pourrez déjà rejoindre la communauté, le groupe Facebook et tout ça, on sera déjà là. Et là, vous avez donc la possibilité de payer via PayPal, donc soit en une fois, soit en 3 paiements. Et pareil, en dessous, le niveau 2, donc l'objectif, c'est de pratiquer plus et en groupe pour consolider ton niveau d'allemand. Aussi, on a 12 modules, des vidéos interactives, des exercices corrigés en vidéo, on a l'accès à la communauté franco-allemande. Et donc le but, c'est vraiment d'améliorer ta compréhension et ton expression orale, d'enrichir ton vocabulaire et de mieux comprendre, maîtriser la grammaire allemande. C'est vraiment ces objectifs-là. On ancre les connaissances dans la langue et on le décline vraiment surtout dans la pratique. Donc là, vous avez pareil aussi l'option pour le rejoindre via le CPF ou en paiement via PayPal. Et puis, vous avez donc ce pack qu'on vous propose, le niveau 1 avec un boost. Et c'est pour nous l'option vraiment idéale parce que la tendance de regarder uniquement les vidéos,
c'est qu'on reste confortablement quand même derrière son petit écran et que ça peut être sympa, mais on a tendance peut-être à pas assez mettre les choses en pratique. Pas forcément venir au live parce qu'on a un peu peur, pas trop oser parler sur le groupe Facebook avec les autres parce qu'on a un peu peur. Et en fait, on se rend compte que finalement, il suffit de se lancer et on a parfois besoin d'un petit coup de boost. Alors ce coup de boost, c'est celui qu'on vous propose justement dans son Boost ton oral. On vous accompagne pendant 5 semaines individuellement sur WhatsApp, des messages audio pour vraiment vous permettre. On s'appelle pas, hein, c'est parce que ça, il faudrait tous les jours, c'est un peu contraignant, mais on vous envoie un message, vous écoutez, vous répondez, etc. Et on réagit comme ça, on progresse et ça vraiment, c'est motivant et ça complète bien la formation pour vous permettre vraiment de faire des progrès. Cette option-là est également disponible au CPF, donc vous pouvez prendre le niveau 1 avec Boost ton oral ou le niveau 2 avec Boost ton oral. Ou payer via PayPal en 1 ou 3 fois. Donc vraiment, voilà, toutes les possibilités sont là. J'espère que le fait que je vous montre là comme ça vous explique un petit peu mieux. En tout cas, n'hésitez pas eh bien, poser encore des questions si vous en avez. J'en vois pas trop là qui arrivent. J'ai vu des personnes motivées, des membres de la formation qui encouragent d'autres. Donc ça, c'est chouette. Mais voilà, si Rémi, il faut sortir de sa zone de confort, c'est exactement ça. Et on vous aide un petit peu. Parfois, on a besoin d'un petit coup de. Un petit coup de boost, mais vous inquiétez pas, elles sont super. Vous les avez vues hier, hein, les membres de l'équipe, elles sont formidables. Et on se réjouit vraiment de pouvoir vous aider à progresser. Vous pourrez revoir aussi là des petits témoignages de personnes qui ont suivi la formation, voir ce qu'ils en pensent. Vous en avez lu beaucoup là aussi dans les commentaires. Mais donc voilà, je pense, je vois pas forcément d'autres questions. Ich denke, ich habe alle Fragen beantwortet, sonst. Würde jemand auch schreiben. Donc sachez que voilà, cette offre est valable encore jusqu'à dimanche soir pendant 4 jours, 4 heures, 14 minutes et 11 secondes. Vous avez le chrono qui défile en direct, vous le voyez sur le côté. Prenez le temps d'y réfléchir et voilà, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Vous voyez que ben, les membres sont là, ils sont motivés. L'équipe est super, nous dit Marie-Claire. Xavier aussi, je recommande vivement cette formation. Les cours, les leçons sont géniales. C'est des commentaires en direct, hein. Je n'aurais rien demandé. Ils sont là, mais merci d'être là. Voilà. Donc, en tout cas, merci à chacun. Et donc, si vous êtes membre de la formation, si vous êtes déjà membre de la formation, et je sais que beaucoup regardent ces vidéos, sachez que dans les prochains jours, je reviendrai vers vous parce qu'il y a pour vous aussi une offre de Noël toute spéciale. Mais elle est réservée, bah oui, parce que c'est mes petits chouchous quand même, le monde de la formation. On les lâche pas, on les accompagne, on a des surprises aussi pour eux. Donc si vous voulez rejoindre notre communauté et apprendre l'allemand avec nous, bah, c'est le moment de le faire. Le lien, il est là. Je vous le remets encore une fois dans les commentaires. Sur Insta, je vous le mets juste après. Alors. Mylène, oui, je vois une question, c'est intéressant ta question, super. Peut-on acheter avec la promo, mais commencer en janvier? Tout à fait, surtout là avec les fêtes qui vont venir, on est peut-être moins dispo. Il n'y a pas de souci. Tu peux tout à fait là profiter de la promo avant Noël et puis démarrer. De toute façon, les accès ils sont illimités. Voilà, donc il n'y a aucun souci. De toute façon, officiellement, je suis obligée d'attendre normalement 15 jours. Je ne le fais pas toujours parce que souvent les gens sont motivés, ils veulent commencer tout de suite, mais. Mais donc voilà, donc il n'y a aucun souci, bien sûr, pour profiter de la promo, c'est l'opportunité à saisir et commencer en janvier, tout à fait, c'est tout à fait possible, d'accord? Donc, Karine, pour moi, tu es membre de la formation, hein, tu sais, Karine, elle a ouvert son dossier CPF il y a une semaine et donc du coup, il faut qu'elle attende que les 11 jours ouvrés soient passés, mais pour moi, une fois que le dossier est ouvert, on est là, hein, vous faites déjà partie de la communauté. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Jamal, super intéressé. Super. Bah écoute, 50 minutes. Oula! Oui, 50 minutes de live. J'avais dit que je ne ferais pas trop long ce soir. Bon. Eh bien, merci à chacun d'avoir été présent dans ce live. La surprise du jour, c'était les Haribo. On a des Kratin, on a du Brause, tout ça sera pour quelqu'un. Donc dimanche, on fera le tirage au sort. Demain, un live spécial qui aura lieu à 11h. Et j'aurai un invité spécial demain. J'aurais dû être dans un lieu spécial, mais je vous expliquerai demain pourquoi je ne peux pas y être. Mais en tout cas, il y aura une grosse surprise aussi demain dans le calendrier de l'Avent. Donc soyez présents. Demain, le live sera à 11h. Oui, je sais, ça arrange peut-être pas tout le monde, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. C'est comme ça. Demain, jeudi 16 décembre, le live sera à 11h. OK? Vielen Dank für euch allen und
Danke, dass ihr dabei seid, dabei wart, und wir sehen uns bald. Tschüss!